Penser à ce voyage de plusieurs mois, c'est me souvenir de nos nuits dans les montagnes d'Himachal Pradesh. C'est la traite des 210 vaches avec Nathan en Nouvelle-Zélande. C'est Andreas qui me raconte son voyage à vélo depuis 10 ans. Ce sont les exploits de Sébastien et Kevin au Fitzroy. C'est l'embouteillage des 2000 bières avec Jonas au Chili. Ce sont les soirées filles chez Marine à Buenos Aires. C'est ce trajet en bus avec Kamal pour aller à Sucre. Ce sont nos 4 jours à moins 15 degrés avec Liz, Flo et Anouk. C'est la balade avec mon frère à Bogota avant de rentrer. C'est en vivant ces moments que j'ai commencé à comprendre que le but d'un voyage, c'était de voyager sans but. Mon tour du monde était planifié. Des listes de listes de listes à acheter, à emporter. Chez Decathlon, Go Sport, Vieux Campeur, j'ai tout acheté. De la doudoune déperlante légère aux chaussettes microfibres. Pour rester connecté, je suis partie avec un Canon, 2 objectifs, une tablette, une liseuse, une GoPro, un iPhone, un iTouch avec un casque et 2 paires d'écouteurs. Bref, j'ai voulu tout prévoir avant de partir, minimiser les risques, du moins les imprévus. Date fixée, celle du départ, de l'arrivée. 69 jours en Inde, 20 en Birmanie, 14 au Japon, 26 en Nouvelle-Zélande, 11 en Polynésie et 132 en Amérique du Sud. Une quinzaine de vols payés et un itinéraire prévu. Ce que je n'avais pas planifié en revanche, c'est que pour voyager heureux, il faut voyager surpris. Momentanément fermé. Mais à force de belles rencontres, de discussions et de partages, on en vient à s'abandonner à la nonchalance. On se met à préférer le temps à la distance, l'étape au parcours. Ce sont au fond toutes ces personnes rencontrées qui m'ont appris que voyager, ce n'est pas forcément visiter. Que finalement, la force d'un voyage, ce n'est pas d'aller quelque part. La force d'un voyage, c'est au contraire, précisément, ce qui nous en détourne. Thank you.